Alors, bien le bonjour. Aujourd'hui, ce que j'avais le goût de vous présenter, c'est deux petits trucs intéressants que j'ai appris avec le temps et un point magnifique. Je pense que ça s'appelle le point diamant. Ça fait le deuxième chandail que je fais avec ce point-là, tellement il est beau. Je verrais très bien un foulard pour homme, pour tous les sexes en fin de compte. Un couvre-coussin, c'est de toute beauté. Quand je vous dis c'est de toute beauté, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, oh wow, ça fait vraiment un effet texturé. Je vais vous le montrer de plus près tantôt. Et un des trucs que j'ai appris, ça fait, je vous dirais, 6 ans, 7 ans que je fais du crochet à temps plein. C'est la première fois que j'entends parler de brides reliées. Mais la beauté de la chose, c'est que dans les brides reliées, ça fait pas de trous. Quand on fait des brides, il y a toujours des espaces vides parce qu'elle a une certaine longueur, la maille, et entre une maille et l'autre maille, ça fait un trou. Alors, faut porter quelque chose en dessous. Mais pas ça. C'est extrêmement simple quand on le sait. J'aurais dû savoir ça bien plus tôt, mais je savais même pas que ça existait. Alors, je vous partage mon savoir. Et je vous montre ce que ça a l'air. C'est vraiment extrêmement intéressant. Bon, là, regardez pas mes mains, là, je travaille dans le jardin. Soyez pas exigeants sur la manicure. OK. Voyez-vous, ça, c'est le point diamant. C'est ce que j'aime, c'est la texture. Il est pareil d'un côté comme de l'autre. C'est super. C'est pour ça que je disais que faire un foulard avec ça, tu peux pas le mettre à l'envers. Il n'y a pas d'envers d'endroit. Et ça fait vraiment une belle épaisseur. C'est un petit peu lainivore, je vous dirais. Ça prend un petit peu plus de laine. Il faut le prévoir. Moi, dans l'exemple que vous voyez ici, là, c'est en plein le parfait exemple de ce qu'il faut pas faire. Dans le sens que je pensais que j'avais assez de fil bleu pour faire tout mon chandail. Et je me suis aperçue que ça en prenait beaucoup. Alors, je me suis dit, bon, ben, j'ai deux autres couleurs de laine que je peux mix and match avec ça. Alors, j'ai dit, je vais faire des séquences plus larges, plus minces, avec mes deux autres couleurs qui étaient le gris et le rouge. Mais c'était très beau ensemble parce que je les ai achetés les trois ensemble en me disant, peut-être que je pourrais les mettre ensemble, ça serait beau, mais finalement, il faut que je les mette ensemble. Je suis rendue à faire le col ici, je vais faire un beau col polo. J'adore ça, faire un col polo, ça fait changement de ça ici. Alors, c'est sur un multiple de 4 le point que je vais vous présenter. Mais l'astuce, quand vous voyez multiple de temps, des fois, ça arrive pas égal. Vous arrivez au bout là, de votre premier rang et il vous manque des mailles. Alors, pour remédier à la situation, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout le temps une douzaine de mailles de plus. Peu importe. Si j'ai pris ma mesure, là, ça va à peu près à cette longueur-là, ben, j'en mets 10 ou 15 mailles de plus. Ce qui fait que quand on dit un multiple de 6 plus 3, ben, ça fonctionne. Puis quand on dit un multiple de 6, puis on ne dit pas qu'il n'y a rien à côté, ben, ça va vous éviter ben des fois où vous devez défaire votre ouvrage et recommencer. Ou ajouter des mailles à l'autre bout, des mailles en l'air à l'autre bout, mais c'est toujours un petit bit apparent. Donc, pour vous éviter tout ça, mettez des mailles de plus et ça se défait très bien les mailles qu'il y a de trop. Alors, je commence par le nœud coulant. C'est un exemple que je vous fais, donc je ne mettrai pas ma largeur de taille, hein, vous comprenez? Alors, si on dit un multiple de 4, alors je vais faire des 4 une fois, 4 deux fois, 2, 3, 4 trois fois, 1, 2, 3, 4 quatre fois, 1, 2, 3, 4, 5 fois.
Donc là, j'aurais théoriquement le bon nombre. Mais j'en fais 5 de plus. 5, 6, je ne sais pas compter. Alors, le début du crochet, on fait 3 mailles en l'air qui équivalent à notre bride. Ensuite, dans la, là j'ai eu 3 mailles en l'air, je fais 4 mailles, donc dans la 7e, là ça fait 3, je prends l'arrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans la 7e, je fais une bride, une deuxième bride, une maille en l'air, une autre bride, et une autre bride. Je vais vous expliquer ça. Ici, il y a deux brides extérieures. Attends un petit peu. Qui vont toujours être les reliefs. C'est ça qui fait beau. C'est ça qui fait la texture. Qui vont être les reliefs. Et à l'intérieur, on appelle ça un V-stitch. Bride, maille en l'air, bride. C'est toujours comme ça. C'est un rang qui se répète. C'est tout, 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 tout. Il n'y a pas de maille de séparation entre un et l'autre. Alors, dans la quatrième, 1, 2, 3, quatrième, je recommence. Je vais faire les deux brides. La deuxième qui commence à faire le V, maille en l'air. Je termine le V avec la bride. Oups. Et la dernière. Là, j'ai pris le centre, comme vous voyez, et c'est une balle neuve pour un autre projet. Mais elle était assez grosse pour que vous voyez bien. Alors, je continue comme ça. 1, 2, 3, 4 dans la quatrième. Finalement, on fait deux brides. Une maille en l'air, deux brides. Deuxième bride, ma maille en l'air. Oups. Oui, vas-y Chantal, t'es capable. Une. Deux. Je passe quatre. Un, deux, je passe trois. Un, deux, trois dans la quatrième. Deux brides. Une maille en l'air et deux brides. Ça donne ça. J'ai la place pour en faire un autre. 1, 2, 3 dans la quatrième. Encore les deux brides. La maille en l'air. Je me suis mis de la crème à main parce qu'à travailler dans la terre, et mon Dieu, qu'on a les mains sèches et bien. Là, ils sont un peu glissantes, comme de raison. Je finis par mes deux brides. Et, en dernier, dans la quatrième maille, 1, 2, 3, quatrième maille, je fais une bride. Je termine par une bride. Alors, je vais tasser ça ici. Ça donne ça ici, l'échantillon. On commence par une bride. Et on termine par une bride. C'est logique. Là, toutes les autres rangs, je vais commencer par deux mailles en l'air. Je me suis aperçue que dans les travaux que je faisais, si je mettais 3 mailles en l'air, ça faisait un petit peu plus lâche au début. Alors, j'en mets 2. Je finis par une bride, mais j'en mets 2. Alors, quand on tourne, je recommence par 2 mailles en l'air au-dessus de ma bride et, tu sais, ça fait droit quand même. Mais, voilà, 2 mailles en l'air. Je mets mon marqueur. Je suis obligée de le prendre ici parce que j'en ai pas sorti d'autres. Et Chantal, t'es pas prévoyante tout le temps, hein? Toujours mettre notre marqueur de maille. Bon.
Et c'est là que la magie opère. Regarde bien. Je ne prends pas la première ici. Je prends celle qui fait partie du V, donc la deuxième, et je fais relief avant. Je fais ma bride. Et dans l'espace de ma maille en l'air, je fais un autre V, ce qui veut dire bride, maille en l'air, bride. Et dans l'autre maille suivante, qui faisait partie du V, je fais le relief avant. Je vais chercher ma maille et je fais ma bride ordinaire. Là, je vais me sortir du film. Ça m'énerve un peu. Excusez-moi. Bon, OK. Alors, vous voyez déjà, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, je ne vois pas tellement. Ça mène une épaisseur ici. On va continuer. Alors, on fait toujours, toujours, toujours la même chose. Je ne prends pas la première. Je surélève la deuxième bride. Dans le centre du V, je fais un V encore. Bride, maille en l'air, bride. Dans l'autre maille, celle-là, pas la dernière, la première qu'on voit, on fait le relief. Voyez-vous, là, la profondeur que ça fait? C'est de toute beauté. Donc, je ne prends pas la première, je prends la deuxième en relief avant. Une bride ordinaire. Dans le trou, je fais un V-stitch. Bride, maille en l'air, bride. Youp, youp. Et là, je suis rendue à ma quatrième. Je fais le relief dans ma première maille. Je répète pour les autres. Il me reste deux. Un V au centre. Bride, maille en l'air, bride. Et un relief. Je fais ma dernière. Le relief dans la deuxième. Le V au centre. Ce qui veut dire bride, maille en l'air, bride. Et le relief dans la première. Je ne fais pas d'espace. Et je fais une bride dans mon marqueur. Je fais deux mailles en l'air. Je mets mon marqueur dans ma deuxième maille. Je tourne le travail. Et là, on fait exactement la même chose. Ce qui fait que on le fait, ce qui fait que c'est réversible, dans le fond, c'est qu'on fait la même chose sur un bord que sur l'autre bord. Ça veut dire qu'on passe celle-là, la première. Ça, c'est la bride au-dessus, là. Je suis au-dessus comme ça. Je passe celle-là. Je m'en vais prendre celle du V qu'on a fait. En relief avant. Je fais ma bride. Au centre, je fais le V, ce qui veut dire bride, maille en l'air, bride. Ensuite, dans ma première, je fais un relief avant. On va se reprendre encore du fil. Alors, ça fait comme ça. Je vais le refaire. Pas dans la première, dans la deuxième, relief avant. C'est toujours relief avant. C'est tant mieux parce que j'haïs faire les reliefs arrière. Quand il faut, mais si j'ai pas à le faire. Alors, le V ensuite, bride maille à la bride. Ensuite, dans la première bride qui fait le V, je fais mon relief avant. Dans ma deuxième maille, finalement, c'est le relief, il se fait avec le V qu'on fait. C'est pas mêlant, on se questionne pas. Parce qu'après, si on fait le V pour le prochain rang pour faire nos reliefs, bride maille à la bride, et dans la première maille, on fait notre relief avant.
Alors, je vais jusqu'au bout. Relief, V, bride, maille en l'air, bride, et relief. Je recommence à la fin sur relief, le V, bride, maille en l'air, bride, le relief. Et on termine par une bride dans notre marqueur. Il n'est pas où mon marqueur. OK. Alors voilà, c'est ce que ça fait. Ça, c'est avec du coton. C'est un gros coton. C'est un gros coton de chez Hobby, un 8-6. Mais ça fait un bel ouvrage. Alors, un plus petit fil, voyez-vous, celui-là, il est très fin, très, très fin. Je le crochète avec un numéro 3 et ça fait ça ici. C'est vraiment spongieux, c'est de toute beauté, j'adore ça. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer, le point diamant, qui est magnifique. On met de côté et je vous présente... Les bridriers avec le crochet numéro 3 pour moi, parce que ça, c'est un coton 8-4. Alors, j'ai commencé un chandail parce qu'on fait beaucoup de voyages et je transporte mes projets. J'ai commencé un projet que je n'ai pas terminé. Voyez-vous, ça là, la première rangée, là, ça, c'est l'hybride. Mais quand on fait le relief, voyez-vous, je ne vois pas ma main au travers. C'est de toute beauté. Alors, je vous montre comment on fait cette petite merveille. J'ai mis un marqueur pour retenir ma maille. Moi, je fais deux mailles en l'air. Je tourne mon travail. Je vais essayer de me mettre plus près, là, que vous voyez bien. Ici, là, je tiens mon crochet comme ça. Ça, c'est ma maille. Ici, ça, c'est juste le début qui est comme ça, parce qu'après ça, c'est très visible. Ici, celle-là, là, c'est dans celle-là. Est-ce que vous voyez bien? Peut-être qu'un fond plus clair, ça serait mieux. Attendez un petit peu. Ça, c'est mon autre projet. Bon, sur un fond plus clair, ça va-tu mieux? Peut-être pas. Je vais essayer de me rapprocher. Voyez-vous, ici, là, dans cette maille-là, je vais chercher le fil et je le ramène. Ensuite, comme ma bride ordinaire, je vais chercher le fil, je le ramène et je fais ma bride ordinaire. Mais je vais le répéter. Une fois qu'on a fait le début, voyez-vous, ici, là, ça forme... comme un petit toit de tente, on pourrait dire, ici. Parce que c'est ça qu'on va faire, c'est ça qui fait le relier d'une à l'autre. Vous voyez la ligne ici? Bien, elle est composée de ce brin-là ici. Donc, je viens chercher ce brin, je ramène mon fil et je vais faire ma bride régulière. On libère deux, on libère deux. Voyez-vous, ça m'a fait une ligne ici, là, comme toutes les autres. Alors, je prends le brin, vous voyez, celui qui est de travers ici, pas lui, mais ici, celui-là. Je le prends et je ramène mon fil. Je fais ma bride ordinaire. C'est la seule différence. Toujours partir de ce point, aller chercher le fil. C'est ce qui diffère des autres. Ensuite, je ne fais pas de jeté. Je vais dans la maille et là, je fais ma bride ordinaire. Si vous avez remarqué, je n'ai jamais de jeté, mais je fais une bride quand même. Alors, je prends le brin qui est de travers. Je vais chercher mon fil. Je rentre dans ma maille
je fais ma bride. Alors, je continue comme ça. Voyez-vous, je prends ce brin. Ce qui est difficile, ben non, pas difficile. Il faut catcher la façon dont on crochette différemment. On est tellement habitué de faire des brides d'une certaine façon que là, il faut y penser. Je fais-tu une jetée? Comment je ramène mon fil? Mais après ça, c'est-tu un autre jetée? On en fait, là, je vous dirais une quinzaine. Puis après ça, oups, ça vient tout seul. On va chercher le fil. On prend le brin, on va chercher le fil. C'est tout ce qu'on fait. On pique dans notre maille, on va chercher le fil. C'est tout ce qu'on fait. Ensuite, on finit notre bride régulière. Voyez-vous, ça les solidifie les uns avec les autres. Et c'est vraiment, vraiment très opaque. On n'a pas besoin de mettre une petite camisole en dessous d'un projet de crochet, ce qui est très différent, parce que d'habitude, ça fait toujours des trous. Quand on pense à cette façon de faire des brides, ici au début, ben là, tu n'auras pas le choix de mettre une petite camisole en dessous. Mais on voit la différence tout de suite là, entre les brides régulières et les brides liées ensemble, et c'est le jour et la nuit. Alors, je vais en faire deux autres et ensuite, je vais refaire le début pour qu'on ait bien compris comment on débute. Régulière. Je prends la maille qui est de travers ici, le brin. Je vais chercher mon fil. Je pique dans ma maille, je vais chercher mon fil. Et je libère deux. C'est comme ça. Je vais défaire et refaire le début pour vous montrer. Je vais même refaire à partir de mes deux mailles en l'air. Une maille en l'air, deux mailles en l'air. Je tourne le travail. Cette maille ici là, qui est la première maille en l'air finalement. Je vais chercher mon fil et dans cette même maille là, je vais chercher mon fil qui devient ma première bride. Je mets mon marqueur. Ensuite, on le voit bien ici, le brin de travers. Il est vraiment comme ça, là. Alors, je vais le chercher. Je vais faire une jetée. Je vais chercher. Je libère les deux. Encore une fois, si vous êtes comme ça, vous demandez où est-ce que je le prends. Ben, c'est pas compliqué. C'est pas la longue, c'est la toute petite ici de travers. Fait qu'on prend la toute petite de travers, on va chercher le fil. On entre dans la maille, on va chercher le fil et on termine. Bride régulière. Ça devient comme une seconde nature. C'est pas plus long. Mais ça fait toute une différence. Vraiment, là, c'est super. Alors, j'espère vous avoir appris quelque chose. En tout cas, moi, j'étais folle quand j'ai appris ce truc-là. C'était vraiment génial. Alors, je me suis dit, il faut que je le montre. Il faut que je l'apprenne aux gens qui ne savent pas comme moi. Alors, voilà. C'est les trucs. Et c'est le petit point diamant que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous ferez des projets avec ça. Et puis que vous pourrez le montrer à vos copines qui ne savent pas puis qui font du crochet aussi. Alors, ça va faire des petits. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et au prochain projet.